Oh Seigneur, je me sens si seul dans ce village de mécréants. Faites-moi un signe, une apparition. Oh mon Dieu. Un ange. Ben, j'y ai demandé une apparition, pas une hallucination. Curé, je veux vous voir. Laetitia dans mon église. Ça, c'est un véritable miracle. J'ai besoin de vous. Besoin de moi? Laetitia a besoin de moi. Merci, Seigneur, pour ce signe. Besoin de moi pour te faire baptiser? Non, ce n'est pas du prêtre dont j'ai besoin, mais de l'entraîneur de foot. Attends, toi? Oui. Le colporteur est là, il n'y en aura pas pour tout le monde. Sortez, sortez. Venez, venez, venez. Le colporteur est là. Oui, entrez. Bonjour Laetitia. Salut Marie, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va. Tu voyages? Oui, je m'absente juste pour 24 heures, une affaire de famille. Mais il n'y a rien de grave. Ah. Mais et tes élèves? J'ai demandé à ton curé de me remplacer. Oh, hey, c'est pas mon curé. Tu n'es pas catholique? Oui, mais tu vas faire comme ça, là, il va t'entendre et recommencer encore avec son problème avec le curé. Oh, oh, hey. Donc, c'est mon père qui va assurer la classe aux enfants. Tu viens de dire mon père, donc c'est ton curé. Mais Laetitia, tu sais très bien que c'est une façon de parler, arrête. C'est le mon père de tous les catholiques. C'est pas mon père. Je rigole, je sais que c'est pas ton mon père à toi toute seule. En fait, votre père ne va pas faire les cours aux enfants. Il va juste encadrer les activités sportives. Eh ben, tu as changé, hein? C'est pas toi qui faisais des histoires au curé pour affaire de football à l'école? Est-ce que j'ai le choix? Ton Ladji, il peut encadrer mes enfants? Hey, laisse mon Ladji là où il est, d'accord? Tu peux dire ton Ladji. Hey, ma copine, bonne route. Merci. Tu les salues là-bas, hein? Merci. La fin du mois. Eh oui. Le temps file. Le courrier. Exact. Et ça t'embête pas de jouer le bureau de poste pour tout le village? Pas du tout. Tu sais, la chefferie, c'est un peu un genre service public. Et toi alors, est-ce que ça te dérange de ramener ça de la ville? Bon, tu sais, nous les commerçants, nous avons ce qu'on appelle le service après-vente. Et disons que ça... c'est le service avant-vente. Mais à ce propos, oui, j'ai de nouveaux pains hollandais de Côte d'Ivoire, made in Taiwan. Mm. Je voulais que... Hey, tu sais que moi, je n'ai pas les moyens. Je te faut pourtant les dernières sapes à la mode. Ça devrait se voir que tu es la femme du chef. Hein? Donc, comme ça, ça ne se sent pas que je suis femme de chef. Hein? Non, non, si, ça se voit. Personne n'est venu réclamer cette enveloppe. Sûrement une erreur. Ok, bonne journée. À toi pareillement. Merci. Ah, madame l'institutrice, ça tombe bien. J'ai de nouveaux pailles hollandais de Côte d'Ivoire, made in Taiwan. Oh, arrête ton baratin. Tu sais très bien que tes pacotilles ne m'intéressent pas. Tu m'as ramené du courrier. Pour ça, il faut voir la femme du chef.
Oui, oui, c'est toujours comme ça. Pour me commissionner, ils pensent tous à moi. Mais pour faire marcher mon commerce, j'ai qu'à me gratter. Il n'y a jamais de courrier pour moi. Tiens, chef, c'est vous que je venais voir. Ah, Laetitia, ça va? Chef, je viens vous informer que je dois m'absenter 24 heures. C'est pour une histoire de famille. Ah. Normalement, mon académie ne me permet pas de quitter mon poste comme ça. Mais si mon chef me donne la route... Tu as très bien compris. Qu'est-ce qu'une académie à côté d'un chef? Le curé va assurer l'encadrement des enfants. À mon retour, je vais rattraper les heures perdues. Oh non, pourquoi le curé? Moi, je peux leur donner les cours si tu veux. En fait, chef, vous ne pouvez pas vous abaisser au niveau d'une petite institutrice. Tu sais, moi, je suis un chef simple. Vraiment, si je peux t'aider. Non, vaut mieux vous reposer. Vous avez trop de responsabilités à assumer à Kikideni. Bon, comme tu insistes, je te donne la route. Merci, chef. Je file. Il y a une occasion dans 15 minutes. Au revoir. Au revoir, chef. Fais un bon voyage. Plus d'institutrice. Demain, je remets les enfants sur le droit chemin. Qu'est-ce qui se passe? Il faut rentrer te coucher puisque tu dors. Où t'as vu que je dors? Hé, hey, chef! Dites là-bas, ouais. Oh. Ah, bonjour, Bibata. Bonjour, mon père. Le colporteur, il a apporté du courrier? Et oui, là, dans le panier. Ah. Ah, merci, Bibata. Et que le Seigneur illumine ta journée. Amen, mon père. Monsieur l'abbé, vous avez quelque chose sous la chaussure? Ah, une lettre. Elle a dû tomber du panier de Bibata. Elle est dans un sale état. Et vieille en plus. Parce que d'après le cachet de la poste, elle a été envoyée il y a 2 mois. Elle est adressée à qui? À Laetitia. On dirait une lettre administrative, tu vois. L'adresse est tapée à l'ordinateur. Mais j'espère que ce n'était pas une urgence, hein. Mais Laetitia n'est pas là. Il faut peut-être qu'on regarde. Mais tu ne songes pas, Téné.
lire la lettre de quelqu'un. Monsieur l'abbé, regardez, le soleil a décollé l'enveloppe. Vous ferez mieux de la lire. Si ce n'est pas urgent, elle attendra le retour de Laetitia. Tu as peut-être raison, parce que plusieurs semaines de retard, c'est quand même embêtant. D'accord, s'il y a urgence, on gère. Dans le cas contraire, on remettra l'enveloppe dans le panier du Bibata. Je vais lire la lettre en tant que garant des secrets de la confession. Confession, hein? Laetitia croit plus à l'amitié qu'à la religion. C'est moi son amie, c'est moi sa confidente. Ben tiens, lis-la. Monsieur l'abbé, vous savez bien que je ne sais pas lire. Ah. C'est une lettre de son académie. On annonce l'arrivée d'un inspecteur. C'est ça seulement? Le vendredi 12. De quel mois? Et de ce mois. Attends, c'est aujourd'hui? Aujourd'hui? Mais Laetitia n'est pas là. Ah là, il faut absolument qu'elle rentre avant l'arrivée de l'inspecteur. Autrement, elle va être sanctionnée pour abandon de poste. Purée, il y a une étranger bizarre qui est arrivée au village. Ah oui? Il ressemble à quoi? On dirait un instituteur. Il a une moto bizarre avec des lunettes façon. C'est l'inspecteur. Voyons ce qu'on va faire. Bonjour, madame. Bonjour. Je cherche Cole. Je vais vous introduire auprès des autorités coutumières. Il est convenu que j'aille directement l'école. Hé, hey, on ne vient pas ici sans passer dire bonjour au chef. Hein. Je suis pressé. Hey, le protocole ne prend qu'une minute. Je suis... Venez. Il est toujours à l'intérieur. Ça fait 30 minutes que le chef le retient. Ah, il n'a qu'à grouiller. Hein? Je viens de la gare, aucun bus à l'horizon. Ah. D'accord, moi je file voir si tout va bien en classe. D'accord. Madame, j'ai déjà bu. Mais non, ça c'était l'eau de bienvenue. Maintenant, c'est le douleur de bienvenue. Déjà bu. Est-ce que je vous ai déjà parlé de mon ancêtre, le fondateur de Kikidini? Le père du père du père du grand-père qui est le père de mon père? Oui. Très bien. Je vais vous raconter ça dans tous les détails. Mais en attendant, nous allons nous incliner devant les fétiches. Suivez-moi. Comme vous m'êtes très sympathique, je vais vous montrer un à un mes gris-gris. C'est là la directe de... L'école. Ah, l'école. Hein. Tu vois l'arbre là. Tu vois au fond. Hein. Tu vois l'arbre là. Oui. Si tu arrives là-bas, tu tournes à gauche. Tout droit. C'est là-bas. Tu as vu, non? Hein. Voilà. Merci, madame. Au revoir. École. École. Hein. Oui, c'est là-bas. Merci. Mmh.
Au moins, dans cette direction, il va perdre un peu de temps. Bon, pas une minute à perdre. C'est un véritable labyrinthe, ce village. Bonjour, bonjour madame. Ça va? C'est par là l'école? Kabe, Beka. C'est pas vrai. Yaka. Bon. Merci madame. Merci. Pardon, je peux pas passer. Non, ici on ne peut pas circuler. Pourquoi? Je suis en train de bénir une tombe. Une tombe? Mais je vois rien. Elle est juste ici. Vous ne pouvez pas voir. C'est une très, 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 très ancienne tombe. Hein? En fait, il s'agit de la tombe du père fondateur de Kikideni. Le père Joachim de la Renardière. Le père du chef est missionnaire. Je vous demande pardon. On m'a dit que c'est le père du chef du village qui a fondé Kikideni. Ah, en fait, je dois vous expliquer. Alors, de quoi s'agit-il? Le père missionnaire Joachim de la Renardière, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a baptisé. En fait, il a baptisé le père du père du père. Mademoiselle Laetitia? Oui, c'est moi Laetitia. C'est pas facile de vous trouver. Ah bon? Oh, les enfants, là, concentrez-vous un peu. Ils font un devoir. Vous avez reçu le courrier du recteur? Oui, c'est ça. Du recteur. Donc vous savez que je suis l'inspecteur. Oui, c'est ça. L'inspecteur. Hein, je suis l'inspecteur. Alors je ne veux pas te voir. D'accord. Je suis venu pour évaluer vos talents d'orateur, c'est ça. Voilà, d'orateur. D'accord. Je veux un coup. Magistral. Tral. Magistral.
D'accord, très bien. Tout de suite. Bon, les enfants, vous laissez les devoirs là pour plus tard. Tanti, je ramasse les copies. Tanti. Et lui, c'est mon neveu. Hein, et le frère de mon fils. Enfin, je veux dire le fils de mon frère. Oui, oui, mais sinon, ouais, les autres là ne m'appellent pas tanti. Hein. Bon, hé, laissez même les devoirs pour plus tard. Cours de mathématiques. Où en étions-nous déjà? Ma tanti, ma tanti. Oui? Les nombres premiers, tanti. Les premiers nombres? Les premiers nombres. D'accord. Eh bien sûr, les premiers nombres. Alors, 1, 2, 3, 4. Les nombres premiers, pas les premiers nombres, tanti. Je crois, mademoiselle. Les nombres premiers sont ceux qui n'admettent pas d'autres diviseurs qu'eux-mêmes et l'unité. Qui ça, celle-là? Je suis Laetitia, l'institutrice. Et l'autre Laetitia? Ah, elle. C'est Laetitia la surveillante. Vous savez, Laetitia est un prénom qu'on a beaucoup donné dans les années 70. Voilà. Ouais. Mais vous là, pendant combien de temps vous allez vous payer ma tête, hein? Hein? Mais vous ne bégayez plus? C'est vrai. Je ne bégaye plus. Essayons. Voilà. Un chasseur, sachant chasser sans son chien de chasse, est un bon chasseur. Encore? Un chasseur, sachant chasser sans son chien de chasse, est un bon chasseur. Il a guéri! Laetitia va avoir une promotion. Je savais qu'un miracle allait se produire aujourd'hui. Mais si elle a une promotion, elle va quitter Kikedini? Oh, pour ça, t'emballe pas trop. Hein. Parce que pour ce qui a été du cours, un cours assuré par Marie, ça a dû être catastrophique. Ah ouais? Bon, voilà, ça y est. Maintenant que je ne bégaye plus, je pense que je vais pouvoir retourner à l'enseignement au lieu d'emmerder les enseignants. Mais concernant l'inspection dans ma classe, vous n'allez pas... Non, ne vous inquiétez pas. Je pense que je dois faire la part des choses. Hein, je dois faire la part des choses. C'est vrai que je vous dois ma guérison, mais je dois être objectif sur votre professionnalisme. Ça, c'est clair. C'est normal. J'assume ma faute. Non, n'ayez pas peur, parce que finalement, pour pouvoir enseigner dans ce village de fous, je pense que vous méritez finalement la meilleure des appréciations. Excusez-moi. Bonne route. Allez, au revoir. Bonne route.